Voilà, on le connaît par cœur avec sa petite moustache style les Brigades du Tigre. C'est actuellement le numéro 1 mondial. Il a été décevant au dernier championnat du monde où il avait terminé 5e suite à une faute de jambe inhabituelle chez lui. Vous l'avez reconnu, Mario Sourzica. Bien évidemment, le meilleur spécialiste du cheval d'arçon, surtout dans l'originalité de la composition de son mouvement. Ça change tout le temps, regardez. Tour complet avec double, triple, quadruple russe. Passage avec les cercles Thomas, changé de rythme. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Ouais, c'est exactement l'expression. Le ciseau demi-tour, vous voyez ici l'aisance. Et c'est parti pour la sortie. Mais avant, j'en rajoute un petit peu. Voilà, le tour sur l'arçon et la sortie. Avec un tour complet, c'est parfait. Ouais, magnifique. Oh, c'est au-dessus. Je ne pourrais pas m'avancer, mais à mon avis, il va faire mieux qu'Eric Casimir. C'est au-dessus. Vous voyez, ce qui est difficile, c'est qu'il change en permanence. Regardez au ralenti, la vitesse déjà. L'exercice, ouais. Ouais. Et ça fait de nombreuses années, lui aussi, qu'il est sur le circuit, Mario Sourzica. Officier de police dans le civil. Les Brigades du Tigre, vous avez vu. Voilà. Ah, très bien. Très, très beau mouvement. 9,775 pour le Roumain. Il passe en tête.